Johnny Blanc, balance ton fromage. Non, mais moi, très bien. Je préfère effectivement ça à des manifestations casse-tout, c'est clair et net. Après, je partage pas la cause, mais bon, après ça, on en a déjà échangé avec Marianne. Moi, je pense que tous, autant qu'ils sont dans ces manifs, font du corporatisme pur et dur. Je pense sincèrement qu'effectivement, on l'a toujours dit, quand t'as une réforme, il y a des gagnants, il y a des perdants. Eh ben voilà. Donc, mais il faut que nous, on accepte d'être les spoliés. Bravo, Marianne, tu es perdante. Je suis vraiment désolée. Mais je vois pas comment le cheminot accepterait qu'il touche à son statut si l'avocat accepte pas qu'il touche aucun. Excuse-moi. Mais est-ce que mais Johnny, tu le fais exprès. Le cheminot, c'est payé par l'État. Il a un régime spécial. Nous, alors, on est payé par personne, Marianne, et on a un régime autonome. Pourquoi toi, tu continueras à payer 14% de ta retraite quand moi, en tant qu'artisan, je paye 25%. Mais parce que moi, j'ai une caisse autonome. Mais je m'en fous. Mais si tu vois la caisse autonome, il n'y a plus de régime universel. Aujourd'hui, Marianne, alors vous parlez de solidarité toute l'année, et là, vous dites, on a une caisse autonome. Non, mais tu me cherches en me disant, il y a des perdants, vous devez accepter de perdre. Très bien, je vais accepter, si tu veux, de gagner 30% de moins à ma retraite en payant double de cotisation. Non, mais arrête. Tu paieras pas double, tu paieras ce que payent les autres. Johnny, on parlait pas de ça. Tu paieras ce que payent les autres. Non, mais tout de suite, tu fais de la provocation. Est-ce que tu peux revenir au sujet, s'il te plaît? Ce n'est pas ça le sujet. Non. Mais c'est quoi le sujet? C'est le mouvement, la façon dont les gens. On est d'accord, mais bon, voilà, hormis ça, vous avez fait une belle chanson, c'est très bien. Mais moi, je ne suis pas d'accord sur le fond. Point final. Parce que, Régis, vous me faites rigoler quand vous dites toujours. Je ne laisserai pas dire des grosses conneries. On a un régime autonome, c'est formidable. Donc, je vais dire, on prend un exemple. Une corporation aujourd'hui. Imagine, les cordonniers à l'époque auraient eu un régime autonome. Aujourd'hui, tu en as 150 en retraite pour un actif. Tu fais quoi? Évite de quoi? Mais on n'en est pas là, nous, c'est l'inverse. Je veux dire, la démographie des avocats est exactement l'inverse. C'est chacun pour sa gueule, c'est l'individualisme. Au régime général, c'est pas de la solidarité. Arrête de dire des bêtises. Mais je dis pas de bêtises du tout. Toi, tu payes 14%, moi je paye 25%. Pourquoi ça devrait durer? Je paye 100 millions d'euros par an à la solidarité nationale. Mais...